Rémulus! Oh bonjour, monsieur Papy! Ça va toujours bien, mon cher? Absolument! Toujours! Ça sent l'hiver, hein? Oui! T'as plus froid, il n'y a plus de feuilles. Faut mettre une petite laine quand on Une coupe de petite laine, oui. Heureusement, j'ai pas besoin de sortir souvent. Non, toi, tu restes dans ta bibliothèque et t'es comme hiver, hein? Exactement. Hiver, c'est chauffé, puis en été, c'est climatisé. Exactement. T'as une belle vie quand même. Oh oui, je ne me plains pas. Mais le teint est pâle, par exemple. Tu vois pas beaucoup de soleil. Je peux pas vraiment, de toute façon, parce que vous savez, avec le soleil est tellement fort. Oui. Oui, c'est pas bon pour ma peau. Puis la crème solaire, ben toi, ça dans te... de la fourrure. Ça colle un peu, hein? Oui, c'est ça. Mettez-en dans votre chevelure. Ça ressemble en tant que tel au Brill Cream des années 60. Oui, exactement, mais c'est dur à faire partir. Bonjour les amis. Oh, bonjour les amis. Excusez, on est en train de discuter de chevelure. De chevelure et de crème coiffante. Exactement, de gel. Alors, Rémulus. Oui, mon cher. On se prépare pour Noël? On se prépare pour Noël, oui. Tranquillement, oui. Est-ce que vous faites des cadeaux à votre famille? Bien sûr. Oui? Oui. Qu'est-ce qu'on fait comme cadeau quand on est un rat? Oh, écoutez, on aime beaucoup. Quand on est... un rat aime beaucoup un lit douillet. Ah, OK. Oui. Alors, cette année, j'ai décidé d'offrir un matelas à mon papa et ma maman. Ah, oui? Oui. Un beau matelas. Un beau matelas tout douillet. Ah, avec des oreillers et tout. Oui. Ah, ben c'est bien ça. J'ai ramassé des petites choses ici et là, là. Puis j'ai rempli un sac de farine. Oui. Et puis ça fait un beau lit tout douillet. Ah, ils vont être contents, tes parents? Oui, absolument. Ben, c'est un beau cadeau. Mais j'espère qu'ils n'écoutent pas, par exemple, pas qu'ils sachent c'est quoi le cadeau. Non, je crois qu'ils n'ont pas la télé chez eux. Ah, OK. Non, ils n'ont pas cette place. Ah, ben c'est bien d'abord. Vous savez, les trous de souris, hein, c'est pas grand. Ah, mais non, c'est sûr que c'est plus petit, là. C'est ça. Moi, je vis dans une bibliothèque, mais eux, ils vivent dans leurs trous de souris. Mais ils peuvent avoir une antenne satellite ou bien le câble. Tu sais, ça prend pas grand place, là. Ben, ils ont des grandes oreilles. Ah, mais ils ont... Mais c'est pas assez fort pour faire des antennes. C'est pour C'est des oreilles de lapin qu'on dit dans le temps. Exactement. Alors, Rémulus, aujourd'hui, oui. Les amis m'ont posé une question. Allez. Et je te la repose. Oui. Quel est le plus gros mammifère qu'il y a sur la Terre? Un mammifère, si je sais bien, là, c'est quelque chose qui ne pond pas des œufs. Non. Ça accouche de bébé. Exactement. OK. Exactement. Donc, on élimine les poules. Oui. Les autruches. Les oiseaux. Les aigles. Exactement. Hein? Et les serpents. Oui. Ce sont des reptiles. Ce ne sont pas des mammifères. Exactement. Mais alors, comme mammifère, c'est l'éléphant qui est le plus gros? Non. Non, il y a plus gros que l'éléphant. Le plus gros, oui, et beaucoup plus gros qu'un éléphant. Ah oui? Même si un éléphant, c'est déjà très, très gros. C'est déjà assez imposant, hein? Eh bien, c'est la baleine bleue. La baleine bleue? Oui. C'est un poisson. Oui, mais c'est un gros, gros poisson. Ben oui, mais si c'est un poisson, comment ça se fait qu'on peut dire que c'est un mammifère? Ben, la baleine n'est pas un poisson. Parce qu'elle respire, hein? Elle respire. Et elle accouche. Et c'est ça, les bébés, elle les a. Ne pas d'œufs. Comme les poissons, les truites, des choses comme ça. Mais elle vit dans l'eau. Ah! Mais elle a besoin de remonter à la surface pour aller respirer. OK. Vous savez, quand elle remonte... Oui, regarde. Oui. Et puis, la baleine bleue, savez-vous combien elle mesure? En longueur, là? En longueur. Avec la queue, là? Avec la queue. Non. En moyenne... Donc, quand on dit en moyenne, ce n'est pas le plus petit ni le plus grand qu'ils ont vu. Oui. La moyenne, 24 mètres. 24 mètres. 24 mètres. Ça fait très long, ça, mon cher monsieur. C'est très, très, très long. Et ça, c'est la moyenne. Mm-hmm. Il y en a des plus longues. Il y en a des plus longues oui, que ça? Il y en a des un peu plus petites. Mais c'est déjà assez impressionnant. Oui, oui. Alors, le mammifère le plus pesant, c'est la baleine bleue. La baleine bleue, c'est la plus grosse de toutes. Là. Exactement. Elle peut peser jusqu'à 150 tonnes et même plus parce qu'ils en ont vu une qui pesait 177 tonnes. Ah. Aïe, 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 c'est l'équivalent lourd. De 26 éléphants d'Afrique qui sont les plus gros. Les plus gros éléphants, oui, c'est ça? Oui. Donc, 26 fois l'équivalent
des éléphants, ça, ça représente une baleine. Une baleine. Donc, si vous voyez une baleine bleue et que vous êtes en train de nager, allez-vous-en. Ce n'est pas agressif. Non. Mais elle peut ne pas vous voir. Bien, c'est sûr, on est tout petit par rapport à elle. Exactement. Parce qu'une baleine bleue, ce n'est pas agressif. Non, ça mange pas des... c'est pas carnivore, non, ça. Non, pas du tout. Ça mange du... Comment qu'il appelle ça? Ça mange des poissons. Ça mange des petites catégories de poissons. C'est ça, OK. Mais ça ne mangera pas un humain. Ça mange pas du plancton? Même si on... Ou du plancton, OK. Oui. Des tout petits... C'est comme des petites crevettes, c'est ça? Hein? Exactement. OK. Mais et ça puis, doit en manger du poisson? Oui, disons que ça en prend quelques tonnes. J'imagine, pour remplir tout cet estomac-là. Là. Elle mange constamment. Oui. Elle en a besoin. Bien, je crois. Mais c'est sûr que le garde-manger, elle vit dedans, là. Oui, oui. Mais c'est quand même impressionnant. Donc, une baleine, si on convertit en pied, 24 mètres, je veux dire, ça donne plus de 80 pieds de long. Oui. Parce qu'on est de la vieille génération, donc il y en a certains qui comprennent mieux de cette Et ce long. N'est pas la plus longue, c'est une moyenne. Ça peut aller jusqu'à 100 pieds de long, alors, sans problème. Sans problème. Aïe. Oui. On ne garde pas ça dans un aquarium, hein? Pas du tout. Il n'y en a pas non plus dans les aquariums de municipalités ou de villes. Non, puis on voit des orques. C'est plus beau dans la mer. Oui, c'est fait pour être en liberté. Exactement. Mais ils sont pêchés aussi, les baleines. On les trouve belles. Il y en a plusieurs qui pêchent les baleines, par exemple. Oui, mais on les aime pas. Ah non, c'est pas très gentil. Non. Ben merci, mon cher Amélie. Mais ça m'a fait plaisir. On a jasé un peu plus longtemps, mais c'est toujours intéressant avec vous. Ben, je sais. Alors, les amis, vous restez pour le compte dans quelques instants. Au revoir, les amis. Et à la semaine prochaine, mon cher Amélie. À la semaine prochaine. Papi! Oui, on est en forme? Oui. Oui. T'as bien surplus d'énergie? Je voulais faire un effet surprise. Ah, ça, c'est un effet fracassant, là. Oui, hein? Ah, t'es de bonne humeur. Ben, ça va bien. Hey, je suis contente de te voir. Oui, hein? Noël s'en vient tranquillement. Ah, Noël s'en vient. Oh, c'est le fun, hein? Depuis le mois de juillet que je compte les jours de mon Noël. Ben oui, moi aussi. Mais on s'échange ça, des petits messages comme ça. Ben là. Oui, c'est ça. Tant de jours avant Noël. Là. Oui. Puis il y en a qui sont bien effrayants. Ils trouvent ça bien effrayant. Fait que... Moi, je comprends pas. Moi non plus. Ben moi, il me semble que Noël, là... Ah, c'est tellement le fun. Ça devrait toujours être Noël. Ça deviendrait plate, peut-être, à un moment donné. Peut-être, là, parce que t'as raison. C'est des belles chansons. Ah, il y en a tout le temps. Ça peut être les mêmes chansons, mais c'est interprété différemment. Puis c'est formidable. C'est ça. Oui. Alors, les amis sont là aussi. Oh, allô, les amis. Eh oui. Comment ça va? Ils sont en forme. Ben oui. En forme de quoi? En forme de sapin. Ben, oh! Hey, le sapin de Noël, as-tu été fait chez vous? Non, pas encore. Pas encore? Ben, c'est encore un petit peu tôt. Mais sais-tu quoi? Ben non. Cette année, on a un arbre artificiel. Ben, chez nous aussi. Puis on va pouvoir le faire plus tôt. Ben, moi, il est fait depuis le mois de juillet, là. Hein? Ben oui. J'installe une boule à chaque jour. Oh, oui? Oui. Ce qu'on appelle l'avant. Moi, je commence bien avant l'avant, mais c'est avant. Oui, mais il faut que tu fasses attention, hein, parce que tu sais que Tigri, il aime les boules de Noël. Oui, mais... Il aime ça jouer avec. Oui, je le sais. Mais je mets des boules en plastique. Tirou et Tigri, là? Ah, Tirou, il n'est pas rentré dans la maison, par exemple. Ah, non? Non, je chance encore, il n'est pas rentré dans la maison. L'autre fois, il me disait que oui. Ben, s'il est rentré, je ne l'ai pas vu, puis ben, il n'a pas vu le sapin. C'est ça, tu devrais te méfier. Bien qu'à un moment donné, tu vas te lever le matin, tu vas piler dessus. Ah, je vais peut-être y mettre une petite maison en métal en dessous du sapin d'abord. Oh, avec des noix dedans. Comme la crèche. Oui, ça serait le petit Jésus. Poilu. Oui, dans la crèche. Mais bien fermé. Bien fermé. Alors, tu viens pour le compte aujourd'hui? Ben oui, c'est comme les amis. C'est un conte qui vient de l'Inde. Ah, oh, puis ça s'appelle? Dorani. D-O-R-A-N-I. Ça veut dire quoi? C'est le nom de la princesse. C'est une princesse. C'est une princesse. Moi, j'aime ça quand on a des princesses. Ah, ben en tout cas. Ça fait tellement penser à moi. Ah oui? Oui. Ah, c'est drôle. Moi, je te regarde puis je pense pas à ça. Mais je pense à une petite fille. Une belle petite fille. Aux cheveux blonds. Mais ça. Intelligent. Oui. C'est ça. Ça, c'est. Ah, t'es prête? Oui, je suis prête. Les amis, vous êtes prêts? On y va. On est prêts. Jadis, vivait en Hindoustan un marchand qui avait une fille ravissante du nom de Dorani. Oui. Elle chantait et dansait si merveilleusement qu'elle fut choisie pour être présentée à la reine des fées, Indira.
Et celle-ci lui fit don de la plus belle chevelure du monde. Les longues boucles noires de Doranie étaient si belles qu'elles luisaient au soleil comme de l'ébène et embaumaient comme des roses en pleine fleur. C'est quoi de l'ébène? C'est un bois, mais très, très foncé, le noir. Oh, c'est de toute beauté. C'est un bois qui vaut cher, cher. Oui, c'est très cher. Ah, okay. C'est très rare, mais c'est de toute beauté. OK. Par jeu, la jeune fille coupa un jour l'une de ses mèches, l'enveloppa dans une grande feuille de magnolia, puis la jeta dans le ruisseau qui coulait sous ses fenêtres et la regarda s'éloigner au fil de l'eau. Bon. Or, un prince qui s'était approché pour boire fut attiré par ce délicieux parfum de rose, saisit la feuille, emporté par le courant, et fut fort intrigué d'y trouver une longue boucle de cheveux soyeux. Oh. De retour au palais, il semblait si abattu, si pâle, que son père lui demanda « Qu'avez-vous donc, mon fils? Vous me paraissez bien morose. » Et le jeune homme répondit en montrant la mèche embaumée. « Sire, je suis tombé amoureux de celle à qui appartient ses cheveux, et je crois que je mourrai de chagrin si je ne puis la trouver et en faire ma femme. » Oh. Et bon, Yann, c'est ce qu'on appelle avoir le kick, hein? Oui, hein? Le roi envoya donc des messagers aux quatre coins du royaume pour chercher celle dont la chevelure avait le parfum de la rose et l'éclat de l'ébène. Lorsque la nouvelle parvint aux oreilles de Doranie, elle dit à son père, « Si le prince veut m'épouser, soit, mais à une condition, qu'il me permette de passer toutes les nuits seul. Oh. » Le marchand se rendit au palais, le cœur léger, et admis en la présence du roi, lui fit part de la décision de sa fille. Oh. Le souverain trouva la proposition bien étrange, mais finit par accepter pour que son fils recouvre la santé et la joie de vivre. Les préparatifs commencèrent aussitôt et les noces furent célébrées avec faste, comme le veut la coutume. Le prince, tout d'abord, fut si heureux d'avoir sa bien-aimée à ses côtés qu'il ne dit mot de ce pacte singulier. Mais peu à peu, son bonheur fit place au désespoir, car la jeune femme passait la journée la tête enfouie dans ses mains, sans esquisser un geste ni prononcer une parole. Et le soir venu, elle disparaissait comme engloutie par les ténèbres. Un après-midi, le prince, errant tristement dans le parc, rencontra le jardinier du roi qui servait depuis de longues années au palais et connaissait bien toutes les herbes médicinales. Le jeune homme lui ouvrit son cœur. « Infortuné que je suis, mon épouse est d'une merveilleuse beauté, mais je ne puis conquérir son amour. Toute la journée, elle demeure immobile et muette comme une statue de marbre, et la nuit, elle s'enfuit je ne sais où. » Oh. Le vieillard lui donna alors une pincée de poudre faite de racines pilées et lui dit « Ce soir, au moment où la princesse te quittera, jette un peu de cette poudre sur ta tête. Tu deviendras invisible et tu pourras suivre ton épouse pour élucider ce mystère. » Le prince le remercia, cacha le précieux cadeau dans son turban et s'éloigna. Cette nuit-là, en effet, au moment où Doranie s'apprêtait à sortir, le jeune homme respecta fidèlement les conseils du jardinier et la suivit pas à pas. Dissimulée derrière plusieurs voiles, elle traversa la ville et emprunta un dédale de sombres ruelles et arriva enfin devant un grand château. Au pied de la demeure, elle ôta le premier voile. Dans la halle d'entrée, elle enleva le second. Puis elle gravit des escaliers et devant une porte, fit tomber le troisième et dernier voile, révélant ainsi le plus beau des visages. Oui. Elle pénétra dans la salle, s'assit devant deux coupes, l'une remplie de lait, l'autre de pétales de rose. Alors, des servantes vinrent la laver et la rafraîchir avec ses pétales humectés de lait. Puis, lui apportèrent toutes sortes de friandises et de boissons glacées délicieuses.
Elles l'habillèrent ensuite d'un sari chatoyant, ornèrent son cou de longs colliers de perles, ses bras et ses chevilles de splendides bracelets, et déposèrent une couronne de roses sur sa chevelure superbe. Et jamais le prince, lui, son époux, ne l'avait vue si belle. Ouais. Quand elle fut habillée, elle prit place sous un dais de soie, hors de la vue du jeune homme. C'est alors qu'apparut Indira, la reine des fées, assise les jambes croisées sur un trône de velours. À un signe de sa main, un luth magique se mit à jouer une musique enchantée. Oui. Lorsque retirèrent les premières notes, Dorani se mit à chanter si harmonieusement que les accents de sa voix se mêlaient à ravir à ceux de l'instrument. Le prince, qui jamais ne l'avait entendu parler, ni même vu ouvrir les lèvres, tomba sous le charme. Il écarta légèrement le rideau qui le dissimulait et, émerveillé, regarda et écouta chanter son épouse toute la nuit. Wow. Juste avant le lever du jour, Indira fit signe au luth de s'arrêter de jouer et Dorani se tut. Alors la reine lui demanda d'une voix sévère: pourquoi le rideau était-il entrouvert ce soir? As-tu révélé à ton mari son secret? Le secret? Dorani jura qu'elle n'en avait jamais soufflé mot. Ah? Peut-être avait-elle mal tiré les rideaux. Elle veillerait à mieux faire la nuit prochaine, assura-t-elle. Et elle s'en alla après avoir remis ses trois voiles. Le prince, toujours invisible, la suivit, ne reprenant son apparence habituelle qu'à son retour au palais. Là, il retrouva sa femme, prostrée comme à l'accoutumée. Il resta silencieux quelques instants, puis il déclara: « J'ai fait un rêve bien étrange cette nuit. Oh. » Et il raconta en détail tout ce qu'il avait vu. Et Dorani ne parut pas prêter attention à son récit, mais lorsqu'il lui dit combien ce chant merveilleux l'avait bouleversé, oui, elle sursauta. « Était-ce vraiment un rêve? » pensa-t-elle. Comment peut-il savoir ce qui s'est passé? Ouais. Alors, pour la première fois depuis ses noces, elle leva les yeux sur son mari. Cependant, lorsque vint la nuit, elle sortit à nouveau, suivie une fois encore par le prince, et tout se passa comme la veille. Le lendemain, le jeune homme raconta à sa femme la scène dont il avait été témoin en affirmant qu'il avait rêvé. Et Dorani posa alors les yeux sur lui et lui demanda d'une voix douce: « Est-ce bien un rêve, ou plutôt la réalité? » Le prince aima tant sa femme qu'il était incapable de lui mentir. Oh. Aussitôt, il avoua l'avoir suivi deux nuits de suite. Oui. Mais pourquoi donc, reprit-elle? Parce que je t'aime, déclara le jeune homme. C'est l'unique raison. Oh. Dorani rougit et demeura silencieuse tout le reste de la journée. Mais juste avant la tombée de la nuit, elle lui demanda: si tu m'aimes autant que tu le dis, prouve-le-moi en demeurant ici ce soir. Ouais. Et le prince accepta. Cette nuit-là, Dorani chantait plus merveilleusement que jamais, si bien qu'à l'aurore, la reine des fées lui dit: « Je veux bien te donner ce que tu veux pour récompense. C'est à toi de choisir. » Après un moment de silence, Indira répéta sa proposition et Dorani répondit: « Donne-moi le luth magique. » Aussitôt, la reine des fées regretta amèrement sa promesse irréfléchie. Mais il lui fallait tenir parole. Elle jeta donc le luth magique entre les mains de la jeune femme et en disant d'un ton brutal: « Prends-le et va-t'en. Tu es libre désormais. Ah. » C'était ça qui faisait qu'elle était obligée d'y aller à toutes les nuits pour chanter pour la reine des fées. Ah. Dorani emporta son présent et s'éloigna en silence pour ne plus jamais revenir. De retour au palais, elle demanda à son mari quel rêve il avait fait pendant la nuit, et le prince, furieux d'entendre son épouse lui adresser la parole la première fois sans y être prié.
Je n'ai point rêvé cette nuit, mais voici que je rêve en ce moment, non pas de ce qui fut, mais de ce qui sera, puisque te voici libre. Ce jour-là, Doranie demeura paisiblement assise, posant de temps à autre les yeux sur son époux et répondant d'une voix très douce à toutes ses questions. À la nuit tombante, lorsque vint l'heure où elle avait coutume de sortir, elle ne se leva pas, et le prince, brûlant d'espoir, lui demanda « Resteras-tu auprès de moi ce soir ?» À ces mots, elle courut se jeter dans ses bras, l'embrassa et lui dit très tendrement « Oui, c'est avec joie que je resterai auprès de toi, et jamais je ne te quitterai. » Et c'est ainsi que le prince retrouva sa bien-aimée naguère, prisonnière de la reine des fées, car l'amour humain est bien plus fort que tous les charmes magiques. Que c'est beau! Hein? C'est une belle histoire d'amour, ça! Oh, c'est un beau conte! C'était bien, hein? Oui! À l'histoire de Doranie. Oui! T'es bouche bée, hein? C'était trop beau. Ben, je suis bien content que tu aies aimé ça. Oui. Les amis, j'espère que vous avez apprécié aussi. Oui. Et que vous serez là pour la semaine prochaine pour un nouveau conte. Oui. À la semaine prochaine. Bye, les amis. Bye bye. Bye bye.